Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Nous allons voir que sont les registres des hauteurs. Tout d'abord, on va regarder cette échelle. On va la diviser en trois parties. Ici, nous sommes en bas. Ici, au milieu. Et ici, nous sommes en haut de l'échelle. Jusque-là, tout va bien, même si ça donne un peu le vertige. Imagine maintenant qu'un coup de vent fait tomber notre échelle. Aïe! Replaçons-nous sur cette échelle, regarde. Ici, on est en bas, ici, au milieu, ici, en haut. Jusque-là, tout va bien aussi. On va l'agrandir un petit peu pour mieux voir. Et puis, on va faire un petit tour de magie. Regarde bien, attention, abracadabra, échelle, change-toi. Voilà, donc on a changé cette échelle en un clavier de piano. Si je joue des sons dans le bas de l'échelle, enfin du piano maintenant, voyons ce que ça donne. J'entends des sons qui sont graves. Si je joue au milieu du piano, les sons perçus sont médium. Enfin, si je joue en haut du piano, eh bien les sons sont aigus. Alors, on va maintenant s'intéresser à notre œuvre de référence, et puis on va l'écouter attentivement. Donc c'est dans L'Antre du Roi de la Montagne, composé par Edvard Grieg. Et puis on va s'aider de tout ce qu'on a fait tout à l'heure pour identifier les hauteurs. Alors, ici nous constatons qu'il n'y a qu'un seul thème et qu'il est exposé trois fois. La première fois dans le registre grave, la deuxième fois dans le registre médium, et enfin la dernière fois dans le registre aigu. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!